Je m'appelle Maël, j'ai 22 ans et je suis chargé de communication chez BMM Records. Alors BMM Records, initialement Black Milk Music, c'est un label qui s'est créé en 2012 à Nancy, qui compte aujourd'hui une cinquantaine de sorties et une vingtaine d'artistes, donc des artistes de Nancy et des artistes internationaux. Et musicalement, je dirais qu'on est surtout dans des musiques groovy, du jazz instrumental, de la funk. On fait aussi des trucs un peu plus hip-hop, un peu plus rock, un peu plus électronique. On garde quand même des sorties assez éclectiques. Le rôle de BMM Records sur le territoire, c'est d'accompagner les artistes locaux dans leurs projets. Donc ça passe par la production, l'édition et ensuite la promotion de leurs projets musicaux. Alors ma journée type, elle se passe au studio d'enregistrement qu'on a à Vendeuvre. Et donc je vais principalement faire de la communication, ça va être de la com sur les réseaux, ça va être des newsletters, des relations presse aussi avec la presse musicale, mais je m'occupe aussi du site internet, je m'occupe aussi de la distribution des disques, de la vente de vinyles, des fois je fais du design un peu pour des stickers, des vinyles, des t-shirts quand il y a besoin. C'est assez polyvalent ce que je fais, je touche un peu à tout. Là en ce moment on prépare deux sorties. La première c'est Flupke, c'est un petit EP électronique là qui arrive en mars. Et la deuxième ce sera l'album Burn-In du NCY Milky Band et ça c'est pour le 4 mai. Il y a un producteur de house à Nancy qui s'appelle Kix et qui vaut le détour. Je recommande son dernier EP Space Opera sur Rutilance Recordings. Big Things Coming Soon.